Comment en êtes-vous arrivé là? Ça a été un cumul. Ça a été un cumul professionnel, un cumul personnel, des soucis. Dans notre métier, on ne peut pas dissocier le professionnel du personnel. Et à un moment, j'ai cru vraiment que quoi que je fasse, je ne réussirais pas à m'en sortir et que ça ne faisait que m'enfoncer plus. Et j'ai pensé justement à cette solution-là pour en finir. Comment s'exprimer votre souffrance au travail, puisque c'est bien de ça dont on parle? Elle s'exprimait par l'impression que j'étais inutile, que quoi que je fasse, j'avais pas l'impression de changer. Entre le rêve d'être policier et la réalité d'être policier, il y a une différence qui est énorme. Et quand vous l'apprenez, ça fait comme une grande claque, quoi. Vous avez du mal à accepter que vos rêves sont si loin. Et du coup, vous n'aviez pas de recours avant pour exprimer ce mal-être, pour le dire auprès de votre hiérarchie, de vos collègues? On a une image en tant que policier. On a une image de Superman, de super-héros. Comme on dit tout le temps, quand vous voyez une foule qui fuit un danger, ceux qui courent dans l'autre sens, c'est les policiers, c'est les gendarmes, c'est les militaires. Donc, quand vous avez cette image qui vous colle à la peau de super-citoyen, de surhomme, il est très dur d'avouer comme quoi vous en pouvez plus et que vous avez des faiblesses comme tout homme. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Je l'ai gardé pour moi et ça m'a amené là où j'en ai été.